Et salut, c'est parti pour une nouvelle aventure en Islande d'une semaine en solo. Il y avait longtemps, ça date d'au moins fin 2018, la dernière aventure. C'est une journée spéciale, c'est une journée autour de la Formule 1. Et je voulais visiter une usine désaffectée qui est 4 âmes. Sauf que ils sont en cours de démolition. Ça fait combien de temps? Ça fait 6 ans que l'équipe est abandonnée. Il y a plusieurs gens qu'ils ont pu visiter. Il y avait des trucs sympas, j'avais vu dans des vidéos, genre des moules pour faire des parties de la voiture et tout. Sauf que ce n'est plus possible et il y a même des gens en fait. Donc je peux même pas me dire, la pancarte est fausse avec le chien méchant. Il y a des gens qui travaillent. Alors je me suis arrêté parce qu'on va faire une petite pause, on est dans Hampton, c'est un petit village qui a l'air vachement sympa, avec la grosse tour là derrière. Petite cabine téléphonique à l'anglaise. Bon, ça c'était pas prévu, hein. C'est de la totale improvisation là. Et donc là, on est dans le village de Silverstone, à côté du circuit mythique, où on va se rendre ensuite. Mais regardez, du coup, je fais mes petites courses dans la supérette qui est là-bas. Rester pendant des heures à regarder les F1, à décortiquer toute la technique qu'il y a dessus. Alors voilà, on a accès maintenant au circuit. Alors je dirais une partie du circuit vu qu'il y a une petite clôture là-bas sous le pont. Donc voici le circuit. Nous, on regardait ça tout à l'heure et on a marché ici. En fait, c'est l'ancienne section des années 90. Bon voilà, après ce petit tour, il est l'heure de se faire le petit pique-nique au chicken. Alors ça a l'air d'être du chicken mixé, broyé, parce que quand on regarde, ça ressemble pas vraiment à ça. Saucisse coupée, caramélisée. Avec oignon caramélisé et chutney. C'est pas le pire sandwich que j'ai mangé, mais c'est pas le meilleur non plus. Et nous sommes maintenant dans l'usine Red Bull. Donc c'est là où il y a toute la matière grise, si on peut y se dire. Et nous, ça commence par le MK7. Donc pour l'instant, on peut filmer. Mais après, ça va se restreindre. Une petite salle de réunion. Une fois qu'on peut être aussi près d'une F1, alors je profite d'aller dans tous les petits recoins. Siège dans la monocoque avec le petit circuit de Bakou. Tiens, alors est-ce qu'ils s'amusent à le changer tout le temps ou c'est un hasard parce que c'est le circuit de ce week-end? La mousse pour protéger les genoux. Donc à l'étage, il doit y avoir des salles de réunion et là on voit la salle de sport, salle avec musculation. Donc pour les employés, et derrière il y a même un coiffeur. Puis la visite a commencé par le showroom où on a pu voir toutes les générations de voitures, dont la dernière qui a permis à Verstappen de gagner le titre de champion de pilote. On a été ensuite dans un local qui ressemble à un garage pour les apprentis mécaniciens, où il y avait les fosses F2022 et des voitures démontées pour voir l'intérieur. Puis ensuite on s'est dirigé vers l'atelier et les bureaux d'études. Mais en dehors de la salle de trophée, on ne pouvait pas filmer la suite. Donc le reste des images, ça provient du site Red Bull directement. On a vu l'atelier électronique, peinture, composite,
usinage. Et après les 3 heures de balade, on a eu le droit à un petit paquet cadeau. Et c'était terminé. Le tour est fini, je sais pas quelle heure il est encore pour l'instant. Il doit être un petit 15h peut-être. Évidemment, obligé de voir leur saloperie. À la fin du tour, on a eu le droit à la pochette cadeau. Alors, j'avais peur, je m'étais dit, ouais, pour un peu, on va avoir un mug ou un truc comme ça qui va péter. Une bouteille, un portefeuille, une casquette. Donc là, la mission va être de chercher l'hôtel qui se cache dans l'aéroport. Et l'hôtel se trouve là, dans la porte d'ascenseur. Il est au Japon. C'est glauque comme ambiance. Mais hôtel capsule version... Où est la lumière? D'abord. Donc voilà. Hôtel capsule, capsule grande quand même. Parce que... Il y a le lit en hauteur. Pourquoi en hauteur, je sais pas. Et t'as quand même une salle de bain privée. Et après, ben, c'est tout. Du coup, on est, ça y est, on est à Londres, Buckingham Palace. Mais je pense qu'avec la commémoration de week-end dernier, il y a toujours l'accès est toujours fermé. Dans le trou du cul d'un serpent. Même Harry Potter est ici. Alors c'est fou, hein, on est bien en Chine, même au niveau des odeurs. Le riz était bon, le canard, la peau était bonne. Parce que à part des os, il n'y avait pas grand chose comme viande. Mais bon, ça n'a pas coûté des masses. Et j'ai pas voulu prendre plus parce que je sais qu'il y avait des bons desserts encore dans le coin. Bon allez, j'ai mes petits taiyaki à manger pour le dessert. Un à la patate douce mauve, style Okinawa. Et l'autre, c'est Nutella et beurre de cacahuète. Donc le mélange est un peu bizarre. Je ferme les yeux, on est au Japon. Je viens de payer 6 livres sterling pour ça. Une épave. Et voici la plateforme 9¾, mais la boutique est fermée. Le gars va essayer de passer à travers. Oh, il a pas été jusqu'au bout. Bon, ben me revoilà dans l'hôtel. Il est 23h20, je dois encore ranger tout mon bordel. Et oui, au final, j'ai quand même dégoté un Red Bull tropical que je n'ai pas encore goûté. Ah, c'est spécial. C'est comme si tu mélangeais un petit peu un Red Bull avec un oasis tropical. Ça va être difficile à finir. Départ demain pour l'Islande. Décollage à 6h, donc en gros, levé à 3h30-4h. Et oui, je voyage avec Mélenchon. Je le montre jamais, mais toutes les aventures commencent par Paris. Pourquoi ? Parce que il y a une escale
au quartier japonais. Alors j'avance petit à petit, hein. Tout à l'heure j'ai pris mon pique-nique dans le parc Palais Royal, j'ai pris le dessert dans l'entrée de l'aéroport, et là je prends le goûter dans du coup la zone d'embarquement. Et qu'est-ce qu'on a là? La durée. Vous l'entendez ce bruit? On a l'impression que la voiture elle est crevée, mais en fait non, c'est juste la route qui est dégueulasse. Allez, je suis vénère. J'ai entendu un petit poc sur la route et je vois ça sur le pare-brise. Et je l'ai pas vu au moment de faire le tour avec le gars. Et je suis pas sûr que le pare-brise soit couvert. J'ai la rage, j'ai envie de crier. Bon, en plus, j'ai un KFC pour manger ce soir. À la base, j'aurais voulu faire un fish and chips, mais le restaurant fermé à 20h30 et là, il est quasiment 9h30. Le gars, il est en train de retirer toute la sauce avec la cuillère à café qu'il a trouvé dans le coin. Putain, je me disais, tout seul, c'est plus chiant à faire des bêtisiers parce qu'il se passe pas grand-chose. Eh ben, c'est bon, je suis bien. Sur une journée, je pense que je tiens mon bêtisier de fin. Allez, je le dis juste parce que ça commence à m'agacer. Maintenant, le GPS vient de s'arrêter. Victoire! Elle n'a rien vu, elle n'a pas regardé le pare-brise. Et ma caution est rendue. C'est une journée qui commence, enfin, qui termine mieux qu'hier. Oh. Covid.